Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour votre petite guidance en ce jeudi. Le mot d'ordre, c'est prudence. Prudence aux arnaques. J'ai fait une lecture avant, mais j'ai mis beaucoup de temps à décortiquer tout ce que j'avais. Donc c'était une guidance de 30 minutes où j'ai eu du mal à voir un petit peu tout ce qu'on voulait m'expliquer. Donc j'ai décidé de vous passer les messages pour l'instant en partant de la base de ce roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être un parent ou ça peut être vous. Pour l'instant, je vais me focusser sur le côté parent. Si vous avez des parents que vous n'avez pas vus depuis longtemps, que vous n'avez pas appelés depuis longtemps, vous n'avez pas pris de nouvelles, ou alors vous êtes en discorde avec ces derniers, je pense qu'on parle beaucoup de personnes âgées, mais ça peut être sinon des parents moins âgés, peu importe. On vous dit que ces personnes attendent de vos nouvelles. Ça fait combien de temps qu'ils m'ont pas appelé? Ça fait combien de temps qu'ils m'ont pas vu? Je me sens seule. Donc, on le sait bien. Certaines personnes mal intentionnées profitent de la solitude des gens pour leur faire acheter tout et n'importe quoi. Donc, on vous invite, pour certains, à ne pas rester sur une vieille discorde, si ça se trouve pour une broutille, et à vous rapprocher de quelqu'un qui est cher à vos yeux, peut-être aussi par là même de lui passer le message de ne pas ouvrir sa porte à n'importe qui, parce qu'on pourrait profiter de cette forme de solitude pour soutirer de l'argent à cette personne. Ça, c'est dans le cas de la famille, des parents, bon, bref. Sinon, ce roi de coupe, ça peut être vous. On vous demande d'observer pourquoi vous avez besoin de ça. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter ce truc, ou est-ce que ça part d'une forme de carence émotionnelle et du coup, d'une certaine manière, cet achat serait compulsif? Je comble par un objet parce que d'une certaine manière, émotionnellement, je me sens vide. On va dire ça comme ça. Donc, il y a du vide dans une partie de ma vie, donc je comble par quelque chose. Observez ce comportement si ça vous parle. On me dit aussi de profiter de vos proches et de ne pas rester, ça c'est encore une fois peut-être pour les parents, mais pas que. Pas que. Vous avez peut-être une personne autour de vous qui est symbolisé par ce roi de coupe, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui n'a d'autre intérêt que votre intérêt, c'est-à-dire quelqu'un qui véritablement est sincère. Et on vous dit de ne pas attendre pour aller voir cette personne. Surtout, le message est très important si vous êtes en discorde avec quelqu'un, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous pourriez rester avec une culpabilité de ne pas avoir franchi un pas vers une réconciliation peut-être avec un proche et le regretter dans le fait que la vie, bon bah, c'était la carte de l'évolution que j'avais tout à l'heure avec l'hérédité qui était tombée. Je dois les avoir là. Voilà, l'hérédité ici. Et on avait le temps. Voilà, séparation, temps, retard. Donc, je suis séparée d'une personne, d'un proche ou de quelqu'un de ma famille. Je me suis disputée avec cette personne, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, et retard, 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 trop tard.
Hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon bah peut-être que ça serait dommage de rester sur une dispute à la con. On me parle bien de distance et d'enfant. Je suis à distance de mes parents, je suis à distance de cette personne, voilà, et puis je pourrais le regretter. Parce que avec la carte de l'évolution, est-ce que vous pouvez me la redonner? Non, elle est partie. Oh. Elle est où la carte de l'évolution, s'il vous plaît? Parce qu'elle est assez parlante, cette carte de l'évolution, mais elle ne veut pas venir. Bon, c'est pas grave. Donc, ne restez pas trop à distance de personne, parce que vous avez, voilà. L'évolution, puis un jour t'es vieux, puis un jour tu vas vers la lumière, on va dire ça comme ça, un jour tu sors de la carte. Donc, je suis pas en train de dire que vos proches vont se diriger vers la lumière, même si ça me semble inévitable, il y a bien un jour, oui, mais est-ce que c'est pas le moment de s'asseoir sur des vieilles rancœurs et sur des disputes à la con de je sais pas quoi? Peut-être qu'un jour cette personne vous a conseillé sur quelque chose et puis vous l'avez mal pris parce que d'une certaine manière, en voulant vous protéger, vous avez senti qu'on voulait... C'était infantilisant, du genre, ben, je peux pas prendre mes décisions tout seul. À chaque fois que je fais un choix, on me remet en question. On croit que je suis pas capable de prendre mes propres décisions. J'en ai marre, tu me fais suer. Bon, voilà, bon, on se dispute. Mais ce qu'on vous explique avec ce roi de coupe, c'est que cette personne, à la base, elle voulait vous protéger. Bon, alors, si c'est le cas... c'est ce qu'on veut que vous entendiez. C'était peut-être mal formulé, mais cette personne n'avait pas de mauvaises intentions envers vous. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps d'enterrer l'âge de guerre et de profiter de gens qui vous sont chers, de personnes âgées, et de voilà, d'en terminer avec ça pour profiter du beau temps, aller faire des petites balades dans le jardin. On m'a donné la carte de la naissance tout à l'heure et ça m'a vraiment parlé comme si c'était bah, le moment de faire une balade ensemble, profiter de l'instant présent, vous faire un scrabble, vous faire, je sais pas moi, acheter quelques viennoiseries et puis les savourer ensemble dans le square, d'en bas. Bref, vous voyez, profitez de vos proches, vous reconnectez à vos proches avant qu'il ne soit trop tard. J'ai prévenu. Qu'est-ce que je fais du coup? Je prends votre carte ou pas? Et attention à tout ce qui est finance. Donc, j'avais la carte de la tentation, j'avais la carte de la 7 d'épée et j'avais le roi de denier. Attention à tout ce qui est finance. Vous pourriez tomber sur une salve de personnes mal intentionnées. Ou alors des personnes qui vous demandent d'acheter des choses chères. Ou alors vous pourriez être tenté d'offrir des cadeaux qui ne sont pas tellement dans votre budget pour faire plaisir et montrer à quel point quelqu'un est important pour vous. Et on vous rappelle que ce n'est pas la valeur d'un bien qui exprimera la valeur de votre amour. Faites bien la différence. Allez pas vous foutre sur la paille pour acheter une bague en diamant à la femme que vous aimez si vous n'avez pas les moyens. Je comprends que vous vouliez lui acheter le meilleur et le plus beau parce que c'est la plus belle et c'est la meilleure. Oui, ben, je comprends bien. Je comprends bien, mais est-ce que c'est... est-ce que vraiment aussi cette personne, elle veut vraiment que vous lui achetiez, je sais pas moi, un gros caillou comme ça en diamant? Est-ce que vraiment, c'est vous qui voulez faire ça ou... Est-ce que si ça se trouve, cette personne, elle demande pas tant? Voyez un petit peu vous où vous vous placez là. Et puis sinon, c'est l'inverse. Il y a quelqu'un qui pourrait vous réclamer un truc
genre, mais là on est un peu dans la manipulation, oui, bah je mérite le meilleur, bah écoute, moi je veux ça, hein. Moi je veux ça ou rien, quoi. Moi je veux cette voiture, tu m'achètes cette bague, parce que je le mérite, quoi. Donc là, carrément, on vous met le couteau sous la gorge, du si tu m'achètes pas ce truc-là, bah ça veut dire que tu m'aimes pas. Alors là, voyez, on a des gens comme ça, si, je t'assure. Ok. Donc, je pense que j'ai à peu près passé tous les messages, mais vraiment, le plus important, c'est cette reconnexion à une personne qui vous est chère. Et l'autre message, attention aux gens mal intentionnés qui en ont plus après votre argent que véritablement votre bien-être. Votre bien-être, on a des personnes qui sont... Ça leur importe peu, hein, voire pas du tout. Donc méfiez-vous. Ah, oh, punaise. Roi de coupe, deux fois. Interrogez-vous, faites le point. Si on vous demande de l'argent ou quoi que ce soit... d'investir, ou alors si vous sentez que vous avez... envie d'un truc, questionnez-vous du pourquoi. Ne donnez pas votre réponse tout de suite si vous sentez que vous pourriez le regretter. Hein. Vous pourriez regretter d'avoir mis trop de sous dans un truc où vous êtes fait avoir. Donc prenez le temps, si on vous demande de mettre de l'argent quelque part ou quelqu'un qui vous demande de que vous lui prêtiez de l'argent. Prenez le temps de savoir si vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. Hein. Est-ce que vous reverrez cet argent? Réfléchissez avant de dire oui tout de suite. Parce que si vous êtes dans une forme de carence émotionnelle, inconsciemment, vous pourriez... vous leur montrez à cette personne que vous avez une forme d'importance, et puis du coup, oui, bien sûr, je suis toujours là, moi. Bien sûr, je suis toujours là pour toi, tu peux me demander, tu sais bien. Bon, vous en êtes où maintenant par rapport à ça, là? Est-ce que cette personne, c'est une personne de confiance? Il y a une forme d'interrogation à avoir et de prendre le temps de réfléchir. Ne dites pas oui tout de suite, réfléchissez avant. Voilà. Oui, bah oui, avec la tour, ça peut être une demande que vous n'attendez pas du tout, ça vous tombe sur le coin de la tête là, et ça pourrait vous mettre dans la merde. C'est-à-dire que si vous, après, vous avez besoin de cet argent, alors je dis pas qu'il faut jouer les radins, je dis juste qu'il faut se questionner, voilà, c'est tout. On ne demande pas d'être radin, et c'est marrant parce qu'on me montre les petites noisettes là. C'est la première fois que je regarde cette carte en me focusant sur les petites noisettes. Protégez vos noisettes! Parce qu'il y a des gens qui pourraient... voilà. Hein. Il y a même carrément des gens qui pourraient venir chez vous. Attention à tout ce qui est démarchage. Ça peut être aussi avec la tour des gens qui veulent comment ils regardent chez vous si vous avez besoin de travaux dans votre maison. Alors si vous êtes une personne âgée, on a des personnes ici qui vont vous dire que oula, ça c'est pas aux normes, ou ça il faut changer, oulala, vous avez pas de panneau solaire encore, mais attends, je vais t'en vendre moi, des ceux qui coûtent trois fois le prix du truc. C'est pour ça, si vous avez des proches aussi que vous n'avez pas vu depuis longtemps, essayez peut-être de les prévenir, hein, que... Je sais pas, vous avez qu'à leur dire que vous avez une forte intuition. Si on sonne chez toi et qu'on veut te vendre n'importe quoi, méfie-toi. Avec le roi d'épée, il y a vraiment l'idée de regarder les choses, de poser les choses, de réfléchir. Le roi d'épée, c'est le stratège, le roi d'échecs.
Le roi d'échecs. Le joueur d'échecs. Donc, si on vous demande des sous, faites un bilan financier. Vérifiez dans votre porte-monnaie avant de dire oui. Pour d'autres, vous avez envie de vous acheter un gros cadeau, un truc qui vous fait super plaisir, mais est-ce que, encore une fois, c'est pas un achat coup de tête? Vous pourriez le regretter. Je sais pas, moi, vous avez envie d'acheter une grosse bagnole parce que vous estimez que vous méritez cette grosse bagnole. Vous avez envie de vous faire un cadeau. Mais il n'y a pas de problème dans le fait de vouloir vous faire un cadeau. Mais vérifiez bien, est-ce que cette voiture, elle est correcte? Est-ce que vous vous êtes bien renseigné dessus? Ou est-ce que vous n'allez pas le regretter après? Parce que bon, bah vous allez avoir votre belle bagnole, mais est-ce que ça va vous rendre plus heureux? C'est la question. Ouais, bah oui, bah oui. Alors là, c'est l'énergie de la trahison. Donc, essayez de pas vous faire avoir. Et puis sinon, essayez-vous d'observer le pourquoi soudainement vous avez envie de vous acheter ce truc qui coûte les yeux de la tête. Parce que vous pourriez vous trahir vous-même dans le sens où cet achat compulsif, il pourrait vous laisser sur la paille. Voilà, donc je vais pas en rajouter parce que je pense que j'ai passé tous les messages. Une petite. Qu'est-ce qu'on prend en conseil, s'il vous plaît? Oula. Alors, faut que je prenne le haut chaud. Je vais essayer de faire une lecture pas trop longue avec le haut chaud. Ah oui, alors, j'ai deux fois le droit de coupe. Je sais pas si je l'ai dit, mais je préfère leur dire. Il y a possiblement une personne, par contre, qui n'a d'autre intérêt que votre intérêt. Oui, si, je l'ai dit. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de conseils de quelqu'un qui est complètement extérieur à la situation et qui vous est fidèle d'une certaine manière, qui véritablement est sincère avec vous, n'hésitez pas à lui demander conseil avant de vous jeter dans un truc que vous pourriez regretter. Allez, une petite, s'il vous plaît, avec le haut chaud. La transformation. Peut-être que pour certaines personnes, ne pas se jeter dans un truc comme on fait d'habitude, c'est nouveau. Tiens, pour une fois, je vais réfléchir avant de faire ça. Je vais pas acheter ce truc-là tout de suite parce que après, je me retrouve encombrée. Je le regrette, donc pour une fois, je vais prendre le temps de réfléchir. Pour certains, c'est nouveau. Ça reste l'arcane 13 ici, hein. Donc profitez de vos proches. C'est aussi un message. Et c'est un cadeau qu'on vous fait ici, hein, de vous dire de profiter de vos proches. Je dis pas qu'il va se passer un truc, hein. Mais sinon, ça peut être accident domestique. Ah oui, ça fait 3 jours que j'ai le message, mais j'ai jamais eu l'occasion de le passer. Attention aux accidents domestiques. Personnes âgées ici qui pourraient tomber, se retrouver avec des fractures. Attention aussi à tout ce qui est énergie de feu. Les barbecues. Les feux sauvages. Allez pas foutre le feu à la forêt d'à côté parce que vous avez une subite envie de vous faire griller 3 saucisses. Et puis, attention aux enfants. Je suis désolée, ça fait très moralisatrice, mais je suis obligée de donner ce conseil. Il y a trop d'accidents avec les enfants et les barbecues. On ne joue pas au ballon près d'un barbecue. On ne court pas auprès d'un barbecue et on ne laisse pas un barbecue sans surveillance. Voilà, comme ça c'est dit, je suis désolée, hein, ça fait vraiment... Pourquoi? Bah parce qu'après on parle de guérison, bah oui, après on finit où? On finit à l'hosto pour guérir des trucs dont on aurait pu se passer. Bon, attention aux accidents domestiques. Pour les personnes âgées, on me parle aussi du gaz. Est-ce que si vous savez que votre papa, j'en sais rien, ou votre maman
Elle est autonome, chez elle, il n'y a pas de problème, mais des fois, elle perd un petit peu la boulette, avec tout le respect, hein, il n'y a pas de problème, je ne suis pas du tout dans le jugement là-dedans. Est-ce que vous, en tant qu'enfant, c'est pas le temps de prendre les choses en main et de faire changer cette plaque au gaz par une plaque électrique? Il y a des choses maintenant en termes de sécurité. Non. En fait, on vous demande de prendre votre part, hein, de responsabilité dans... pour les gens que vous aimez. Hein. Ces personnes ont voulu vous protéger pendant longtemps. Peut-être qu'elles se sont parfois mal pris. Bon, et on fait tout ce qu'on peut. Hein. Aujourd'hui, peut-être que vous, c'est à vous de protéger ces personnes aussi. Allez, courage. Alors, on vous dit courage, pourquoi? Peut-être pour... observer quelque chose en vous, courage peut-être pour aller reconnecter avec des gens avec qui on s'est disputé, pour dire aussi peut-être à quelqu'un qui a un caractère pas très simple que, écoute, maman, papa, c'est pas que tu perds la boule, mais le gaz, maintenant c'est terminé, tu passes à l'électrique. Ah, gna gna gna, j'aime pas qu'on change mes habitudes, gna gna gna. Oui, bah oui, mais écoute, moi quand j'étais gamin, je faisais pas vraiment ce que je voulais. Tu voulais faire des choses pour me protéger. Bah regarde, aujourd'hui, tu vois, c'est moi. Ça te plaît pas? Bah pourtant, je vais quand même faire des choses pour te protéger, même si t'en as pas envie. Bah, c'est comme ça, hein. Et là, il y a une espèce de... Et on me parle d'ajournement, et ça c'est la procrastination. Je pense que courage, il est temps de cesser de procrastiner. Pour toutes les personnes qui ont besoin, qui savent qu'elles doivent reconnecter avec des gens qu'elles aiment, on vous dit arrêtez de repousser au lendemain. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de repousser au lendemain. Voilà. On vous le dit, courage, prenez votre téléphone, prenez des décisions, communiquez, et ne repoussez plus à demain ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, nouvelle aventure. Et il y a encore cette idée d'enfant. Vous n'êtes plus un petit garçon devant votre papa ou devant votre maman. Vous n'êtes plus... Vous êtes un adulte aujourd'hui responsable. Donc prenez les responsabilités qui vous incombent en tant qu'adulte. Voilà, pour moi c'est ça. Écoutez le guide qui est en vous aujourd'hui, maintenant vous... Vous pouvez, vous avez la possibilité de avec ce guide, de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour une personne peut-être. Et voilà, vous avez fait quand même, entre l'aventure où on a ce petit enfant et le guide qui me parle du sage, on vous dit aujourd'hui, oui, vous avez fait votre parcours et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus sage, vous êtes beaucoup plus mature, vous êtes un adulte responsable. Donc, prenez les responsabilités d'adulte. Voilà, mes chers amis, j'en ai terminé. Oui, 23 minutes. Allez, on se prend une carte conseil, juste parce que on va essayer d'arriver à 25 minutes. Allez. C'est bien 25 minutes. J'aimerais faire des guidances plus courtes, mais j'y arrive pas. Allez, tiens, qu'est-ce qu'on vous dit? Le positionnement. Courage, prenez votre place, positionnez-vous. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Une dernière précision avec ce trou au milieu du corps. Pour certains, vous pourriez être tenté de combler un vide par un achat compulsif. Mais je parle d'un gros achat. C'est pas une babiole au petit magasin de babiole. Non, c'est un gros truc. Donc, attention, questionnez-vous. Et on me parle d'amour. Là, on va nous parler des proches. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, mes chers amis, parce que ces personnes-là, c'est peut-être le moment
de reconnecter avec elle, que ce soit de la famille, que ce soit un ami sincère, je ne sais pas qui c'est, mais reconnaissez ces personnes et prenez votre place, faites ce que vous avez à faire. Voilà mes chers amis, je vous embrasse. La lecture du samedi Tu choisis demain aura un thème et c'est les FJ, flammes jumelles. Voilà mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot.